Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ces hommes noirs, Taïmada, chez notre aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Deuxième partie Critique Info samedi. Je demande à tous les Congolais et tous les Africains de ne pas céder à ce vaccin-là. En tout cas, pas du tout. N'acceptons pas du tout. Inconcevable que le président lui-même ait parlé de la chloroquine. Le docteur Muyembe a parlé de la chloroquine. Mais je ne peux pas comprendre qu'on revienne pour tester encore les gens. Je ne comprends pas. C'est contradictoire. Heureusement que le président a refusé. Et il a fait savoir cela au docteur Muyembe, que je ne suis pas d'accord avec votre position. Et voilà, on a eu ce qu'on pouvait avoir. Ce matin, samedi, Mozuto, faire du Covid-19 une opportunité pour construire la RDC. Ce forum des As qui en parle. Le Phare, Félix Tshisekedi, confond les pseudo-constitutionnalistes. Création d'une agence anti-corruption. Africa News, 1 million de chloroquine et 500 000 azithromycines commandées. Le médicament donné aux patients atteints du Covid attendu à Kinshasa. Mesdames et messieurs, on va commencer cette émission. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à travers le monde et à nous faire confiance. Alors là, je vais d'abord nettoyer, désinfecter mes mains. Boire de l'eau et refuser le vaccin. Les réformes vivement souhaitées. Nous l'avons dit et nous continuons à le dire. Les rôles des intellectuels dans un pays, c'est celui d'éclairer la nation. En réalité, si vraiment nous voulons être sérieux, les intellectuels ne sont pas des fanatiques. Parce que l'intellectuel est lié à une seule chose, la raison. Or, la raison n'a pas d'opinion politique. La raison n'a pas d'opinion scientifique, disons, d'opinion fanatique. La raison n'a pas d'opinion tribale, ethnique, non. La raison n'a même pas de haine. Vous voyez ? La raison n'a pas de haine, la raison n'a pas de mépris. La raison a la retenue, la raison a le discernement, la raison a la compréhension, l'anticipation, la prévention, l'action, la détermination. Voici les éléments qui caractérisent la raison. Donc, tout celui qui veut être fils ou fille de la raison doit impérativement s'asseoir sur des bases solidement scientifiques. Mais malheureusement, très souvent, on est tenté. On est tenté de faire un peu, bon, on va faire plaisir à tel, faire plaisir à tel, on va faire plaisir à tel. Nous l'avons toujours dit, que ce pays est malade. Ce pays est malade dans son âme. Le pays est malade. Quand je dis le pays, je parle plutôt de l'État. L'État est malade dans son âme. L'État est malade dans sa construction, dans son architecture. Nous avons un problème institutionnel. Le problème de nos institutions nous pose un sérieux problème. Parce que l'architecture du pays n'a pas été portée par les idéaux de notre République. Vous allez voir partout, dans tous les textes, il y a une sorte d'inadaptation entre les vécus et les textes. Or, la loi n'est que la représentation d'une norme sociétale. Ça veut dire les vécus, n'est-ce pas ? C'est la sommation des interdits et des permis d'un pays qui forme la loi. On ne peut pas produire une loi qui n'a pas été précédée par le fait. Parce que les faits précèdent le droit. Les faits précèdent la loi. Pour qu'on puisse, pour qu'on arrive à normaliser ou à, qu'on arrive à faire de loi, il faudrait d'abord que l'on analyse les vécus des gens. Par exemple, notre constitution devrait être le reflet de nos coutumes. Voyez-vous, c'est nos coutumes qui ont été civilisées, traduites en termes de loi. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans des pays comme Israël, l'Érythrée, la Grande-Bretagne, des grands pays comme ça, des grandes civilisations, pour la plupart des cas, ils n'ont pas de textes écrits. Leurs constitutions ne sont pas écrites. C'est encore des vieilles coutumes.
Mais c'est tellement ancré dans la mémoire collective au point qu'il y a une sorte de mariage, si pas des réconciliations entre l'homme et les textes. Mais chez nous, il y a une sorte de rébellion. Il y a une sorte de divorce entre le texte et les hommes. Nous ne vivons pas en communauté. On ne vit pas en harmonie avec nos textes parce que, pour la plupart des cas, importés. Ce n'est pas le produit de notre intellect. Ce n'est pas le produit de notre imagination. Non, nous n'avons pas imaginé un système. Malheureusement, le Congo n'a pas imaginé un système depuis l'époque de Belges. Quand ils sont partis, nous avons fait le mimétisme. Nous copions ce qu'on nous a laissé. Nous héritons de cela, mais nous, non seulement nous n'améliorons pas, au contraire, nous détruisons même les petites choses que nous, on pouvait en principe faire avancer. Et dans tous les secteurs. On a détruit notre génie de création. On a détruit notre génie de pensée. On a détruit notre manière de voir les choses, notre conception, notre système même immunitaire, je veux dire, intérieur. On a tout détruit. Du coup, on est soit en train de copier, mais alors de copier très mal. Parce que celui qui copie les modèles risque de ne pas atteindre le modèle en question. Malheureusement, c'est ce que nous, on est en train de faire. Donc, nous, on a été tout simplement, déshumanisés. Déshumanisés, aliénés, au point de suivre les autres. Mobutu a eu l'opportunité d'inventer un système, mais il ne l'a pas fait. Il s'est battu avec plus de 10 constitutions. Et Mobutu était en train de changer de constitution comme on change des vêtements. Pourtant, le problème, ce n'était pas de changer de constitution, c'était d'élever la culture politique du pays. Il avait des constitutions révolutionnaires avec une mentalité rétrograde. Ça ne peut pas marcher les deux choses. Il y a eu déjà contradiction. À l'époque de Mobutu, on avait déjà des textes révolutionnaires, mais avec une mentalité rétrograde. Et il y a eu un divorce, ça ne pouvait pas marcher. L'époque de Kabila, le père, c'est la même chose. Une régression terrible et même totale. L'époque de Kabila, c'est totalement le contraire. Parce qu'il y a finalement des lois qui ne seront jamais respectées. On était un meilleur élève en termes des textes. Nous sommes un meilleur élève en termes de textes, mais des faux élèves en termes de pratiques. On était en contradiction avec ce qu'on disait. Et ce qu'on disait. Les discours dépassaient notre manière de faire les choses. Et du coup, un pays était en retard, alors avec des lois assez avancées. Donc, on n'a toujours pas avancé, malheureusement. Pourquoi, vous le savez? Parce que nous n'avons pas compris une chose. Il y a un rapport très étroit entre la conception et la pratique. Parce que la pratique vient de la conception. Si vous concevez bien les choses, vous allez bien pratiquer les choses. Mais si vous concevez mal les choses, vous n'allez pas bien les pratiquer. C'est Nicolas Boileau qui le dit. Lorsque les choses sont bien réfléchies, bien pensées, bien présentées, les mots pour le dire viennent aisément. Mais nous, on a toujours mal préparé les choses et les mots pour le dire viennent mal. On a donc une sorte de constipation de la pensée. Et les gens ne peuvent pas réfléchir convenablement. Il y a donc une séparation. Ce qui est produit à l'université et ce qui est vécu sur la société, c'est deux choses différentes. Donc, vous créez finalement des analphabètes qui parlent français, qui parlent anglais, mais des vrais analphabètes. Parce que quand ils vont arriver sur terrain, ils vont trouver un autre modèle qui n'a rien à voir avec le modèle qu'ils ont appris. Donc, vous amenez des gens qui ont fini les études sur terrain, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne savent pas où commencer, ils ne savent pas. Quand on apprend à nos enfants l'informatique, mais ils n'ont pas d'ordinateur, vous voulez quoi à la fin? Vous apprenez l'informatique aux enfants qui n'ont pas d'ordinateur. L'informatique n'est pas littéraire, l'informatique est pratique. Alors lorsque votre système ne comprend même pas ces faits-là, je me pose la question, vous allez tout droit dans le trou. Bokenaliwa. Vous enseignez l'électricité dans des pays, dans des villes où ils n'ont pas de courant. Ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité, mais vous leur apprenez l'électricité. Et ils sont même en sixième électricité. Mais de qui se moque-t-on à la fin? Faites un tour à Bolomba. Faites un tour à Injolo. Faites un tour à Bokungu. Faites un tour à Ikela. Faites un tour à Vichumvi. Faites un tour à Bunga. Faites un tour là-bas à Walikale. Vous comprendrez qu'il y a des écoles techniques. On dit que cette école est une école électronique. C'est une école d'électricité. On dit aussi institut d'électricité. Mais ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de groupe électrogène, ils n'ont rien du tout. Et ils apprennent le courant sur un bout de papier. Sommes-nous sérieux vraiment? Et nous voulons réussir le développement. C'est de la farce politique malheureusement. Voilà le vrai problème du pays.
Le vrai problème du pays, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Ce n'est même pas Kabila le vrai problème du pays. Le vrai problème du pays, c'est ce que nous avons décidé d'être. Nous, on a fait le choix d'être des fanfarons. On a fait le choix du théâtre politique au lieu du réel politique. Nous avons fait le choix d'être le dernier que d'être le premier. On a fait le choix de faire l'aventurisme politique au lieu de faire des bonnes politiques durables. Nous avons fait ce choix-là. Il y a jusqu'aujourd'hui... Vous savez, pouvez-vous imaginer que vous avez les eaux. Vous êtes encerclés par l'eau. Vos eaux sont poissonneuses. Vous avez des diverses sortes de poissons. Vous en avez par milliers, quoi. Mais il n'y a pas d'école de pêche. Il n'y a pas d'école de pêche au Congo. Il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas compter 100. On ne peut même pas compter 50. École de pêche. Il n'y en a pas. Donc ça prouve à suffisance que vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas d'ambition de développer votre pêche. Vous n'avez pas d'ambition. Excusez-moi de vous le dire. Vous avez toutes les ressources du pays, du monde, on va dire. Le calcaire, le coltan, le cobalt, les manganèses, lithium, vous avez tout. Mais vous n'avez pas d'université de ça. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Alors, si vous n'avez pas les universités appropriées, des mines et tout, mais dites-moi comment vous allez faire pour vous en sortir. Alors que, je ne comprends rien, moi. Vous pleurez ici, non, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, il faut qu'on aille transformer ça ailleurs. Non, mais vous pouvez, vous, inventer des machines de transformation sur place. C'est parce que vous n'arrivez pas à consommer l'intellectuel congolais. L'intellectuel congolais est pris dans deux sens. Soit pour servir le maître, soit pour faire l'opposition. S'il ne sert pas le maître, il est dans l'opposition. Mais ce n'est pas le rôle de l'intellectuel, non. Le rôle de l'intellectuel, c'est de construire son pays. Mais la question, est-ce que nous avons des intellectuels organiques? Avons-nous des intellectuels capables de se retirer un peu de leur carcan politique et de dire c'est le droit, de dire c'est la justice, de dire c'est la vérité? Le langage d'un intellectuel, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais. Le langage d'un intellectuel, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité, c'est les vertus appliquées. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ça. Mais nous sommes un pays comme ça. Alors les réformes dont on attendait depuis très longtemps, depuis que nous sommes RDC, il n'y a jamais eu des réformes fondamentales. Mobutu n'a pas fait des réformes fondamentales, il a fait des réformes de surface. Des réformes de surface. Ce n'était pas des réformes vraiment profondes. Des réformes sur notre manière de penser. Des réformes sur notre système éducatif. Nous attendons ça beaucoup. Comment faire? Parce que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas réformer l'enseignement. Non. La gratuité de l'enseignement est un pas. Un très bon pas. Très significatif et je dis bravo. Mais ce n'est pas ça la réforme. La réforme, c'est dans l'âme. C'est pourquoi avez-vous des écoles? Pour servir à quel besoin? C'est ça la réforme. La réforme, c'est de dire qu'est-ce que nous voulons apprendre à nos enfants et en quoi est-ce qu'ils peuvent nous être utiles demain. Voilà la réforme. La réforme, c'est de dire qui doit enseigner nos enfants. Lui-même doit avoir quel bagage. Voilà la réforme. La réforme est là. La réforme, ce n'est pas payer les enseignants, ce n'est pas la réforme. La réforme, elle est profonde. Elle est profonde. Mais il y a deux sortes de politiciens, disons des hommes en politique. Il y a ceux-là qui aiment la surface, parce que ça tape à l'œil, ça fait plaisir aux gens, les gens vous applaudissent, oh, le kibango, le kibango. Mais il y a une autre catégorie, hein. C'est les hommes d'État. C'est les hommes réfléchis. C'est les hommes faits et fins. Ceux-là, ne sont pas portés par les voix électorales. Non, ils ne regardent pas les urnes. Non, ils ont une vision de 100 ans. Ils ont une vision de 200 ans. Ils ont une vision de 50 ans. Ils ont une vision de 80 ans. Et ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent aux enfants des enfants de leurs enfants. Et quand ils regardent le Congo, ils regardent une puissance économique. Voilà les grands hommes. Quand ils regardent le Congo, ils se disent, mais oh là, nous avons le marché. Nous pouvons faire un marché africain et mondial. Pourquoi Nguanzu est un marché mondial aujourd'hui? Pourquoi Deira en Dubaï, c'est devenu un marché du monde.
Pourtant, à Dubaï, on ne produit pas, n'est-ce pas? On ne produit pas. À Dubaï, il n'y a pas des grandes usines. Ce n'est pas réputé comme des grandes usines. Mais ils ont le marché le plus important d'automobiles. Pourquoi ils ont le marché le plus important d'automobiles? Le Japon produit les voitures qui sont finalement vendues à Dubaï. Donc, ils ont su concentrer quelque chose de plus important. Figurez-vous que leur douane est de 34, ou je ne sais pas moi, 34 ou 35, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas grand-chose. Hein? Ce n'est pas grand-chose quand ici nous avons une douane de 14 000 balles. En réalité, si nous réfléchissons convenablement sur la question, on peut se dire pourquoi ne pas ravir à Dubaï le marché? Pourquoi ne pas ravir en Guangzhou le marché en produisant sur place, vendant sur place, important sur place et exportant sur place? On deviendra dans moins d'une année, dans moins de deux ans, l'une des plus grands, représentations du monde, des grands marchés. C'est là les réformes en fait. Ce sont là les grandes réformes. La réforme est sur l'enseignement, comme je t'entends de dire. Qui est enseignant et qui ne l'est pas? Au Congo, tout le monde enseigne tout le monde. Tout le monde enseigne tout le monde. C'est pratiquement le seul pays où les assistants peuvent donner des cours aux étudiants, même en L1. Un assistant qui enseigne en L1. Mais c'est un suicide collectif. Non, attendez, deux secondes. C'est un suicide intellectuel. C'est un génocide académique. On ne peut pas comprendre qu'un assistant de premier mandat puisse enseigner en L1. Non, pas dicter, non, mais enseigner en L1. Et il se permet de corriger lui-même étudiant, mais il corrige les autres étudiants. Mais c'est la catastrophe. On ne peut pas comprendre qu'un professeur soit en mesure de corriger 1000 feuilles. Attendez deux secondes, il a quel cerveau le gars? 1000 têtes. Et ce monsieur va corriger 1000 papiers. Mais on est des machines. On ne peut pas comprendre. Alors, la réforme est là à ce niveau. Qui doivent faire l'université? Pourquoi vous avez un pays, vous avez le nombre le plus important des universités, vous avez le nombre le moins important des usines et des entreprises? Moi, je suis totalement parti. Je suis parti. Je suis tombé. Je ne comprends rien du tout. Comment vous avez le nombre le plus important d'universités et de surcroît des universitaires? Mais en même temps, vous avez les taux les plus importants de chômage, vous avez les taux les plus importants d'absence d'entreprise. Hein. Vous n'en avez pas, en fait. On n'en a pas. Alors, pourquoi avoir autant d'universités? Donc, vous comprenez tout de suite que les grandes réformes doivent s'axer sur la formation technique. Pourquoi n'avons-nous pas des écoles de maçons? Pourquoi n'avons-nous pas des écoles de maçons? Des écoles de boys maçons, des écoles des ambulanciers, des petits travaux que nous faisons généralement, des travaux finalement qui sont des travaux importants, des travaux. Pourquoi on n'a pas des écoles de peintres? Pourquoi nous n'avons pas ça? Pourquoi nous laissons la peinture? Pourquoi laissons-nous la maçonnerie à des bricoleurs? Pourquoi ce sont eux qui doivent bricoler? Mais on doit avoir des certificats. Le monde se développe pas forcément par des diplômés, non, le monde est développé par des chercheurs, d'accord? Ils font des recherches et ils vous donnent, mais le monde est aussi développé par des techniciens, voilà ce que j'allais dire, par des techniciens. On a besoin d'avoir plus d'ingénieurs, on a besoin d'avoir plus d'architectes, plus de médecins, plus de maçons, plus d'infirmiers. Plus d'inventeurs, plus de créateurs d'emplois. Nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de politiciens, d'autres choses. On a besoin d'avoir tous ces gens-là pour que ça nous aide. Alors quand je reviens sur la réforme de l'enseignement, vous avez vu comment ça se fait? On réfléchit comme ça. Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des manuels qui datent de 40 ans. Des 40 ans. Je prie pour que Christian Philippe, quand il viendra au monde, mon fils, qu'il trouve un monde bien, qu'on ne l'enseigne pas avec les choses que moi j'avais dans le temps. Que comme le monde a évolué, qu'il soit aussi, qu'il développe, qu'il se développe, et puis finalement qu'il ait un peu plus de l'avant. Non, il est temps, mes frères. Il est temps de réfléchir sur la bonne chose. Mais on peut aller plus loin, vous savez, on peut aller plus loin que ça. Regardez, lorsque nous disons au président Félix Tshisekedi, nous disons, monsieur le président, réformer le pays, c'est vous mettre dans une dynamique de l'héroïsme. Réformer le pays, amener des réformes, ce n'est que les réformes qui vont vous sauver. Les réformes vont vous inscrire dans les annales de la République.
Et nous avons besoin des réformes fondamentales. Réforme sur l'économie, monsieur le président. Vous devez réformer notre économie. Nous avons un système, je ne sais pas moi, quelqu'un m'a dit, on avait un système chinois, on a suisse, français. C'est un mélange de tout. Nous n'avons pas un modèle propre à nous. Monsieur le président, invitez le professeur de l'économie du pays. Engagez un débat. Vous, là-bas, parce que ce pays est en construction. Ce pays n'est pas en train de se développer. Non! Ne rêvez même pas à développer le pays si vous n'avez pas encore développé le système en question. Vous devez d'abord avoir un modèle. Et donc, le président invite les grands scientifiques sur l'économie. Et nous décidons de quelle économie nous voulons avoir. Il ne faudrait pas qu'on soit des petits garçons de cour de la Banque mondiale et du FMI. Quand ils parlent, on crie. Quand ils parlent, on fait entre notre cœur, on fouille. Non! Nous devons être capables de se tenir comme les Chinois. Les Chinois ont tenu tête aux Blancs, en disant aux Occidentaux. Ils ont tenu tête à eux. Le modèle économique chinois, il est chinois. Le modèle économique du Japon, il est japonais. Le modèle économique indien, il est indien. Le modèle économique brésilien, bon, il est un peu mixte. Mais il est quand même assez... Bon, on va prendre des teintes un peu brésiliennes. Mais nous, nous avons quoi, monsieur le Président? Notre système économique, il est composé de quoi? Nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas et il y a un lien très fort entre la monnaie et l'économie et la production. La base chez nous, c'est la production. Monsieur le Président de la République de mon pays, qu'est-ce que nous produisons? J'aimerais un jour rencontrer le Président Félix Tshisekedi et lui poser la question. Monsieur le Président, dites-moi, Nabiloko Nyoso Latinanzoto, qu'est-ce qui est fabriqué au Congo? J'aurais vraiment aimé. On va dire non, Elambala Taka, et outre en Afrique du Sud, mais c'est produit là-bas, attendez des secondes, c'est produit là-bas. C'est vrai, l'intelligence congolaise, mais la production étrangère. Je parle d'ici. Monsieur le Président, oh, Nabilo Konyo Solati, Elo Konini, et Routine à Congo, Nambokanayo. Parce que lorsque vous allez par exemple en Indonésie, quand on vous présente un plat, vous risquez de trouver 80% de choses dans 4 Ebilo Kouana, Ezab indonésien. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Le sucre vient d'ailleurs, le café même vient d'ailleurs, le pain, c'est ailleurs. Je comprends rien. Je comprends du tout rien. Alors qu'il faut finalement réformer cela. Mais les réformes ont un prix. Le prix des réformes, c'est d'abord une vision. La vision qui repose dans l'homme. Qu'est-ce qu'il se dit, cet homme? Où il veut aller? Où il veut aller? New Deal de Delano Roosevelt, il savait là où il allait aller. Et quand je lis encore une fois le discours, un des discours de Kennedy, Kennedy dit au peuple américain, il dit, nous ne sommes pas couverts par les nuages des sauterelles. J'aime bien cette phrase. Nous ne sommes pas couverts par les nuages des sauterelles. Nous ne sommes pas la malédiction du monde. Nous pouvons nous en sortir. J'aurais envie de dire ça au président de la République. Monsieur le Président, le Congo n'est pas maudit. Le Congo n'est pas maudit. Le Congo a été sacrifié sur l'autel des intérêts individuels. Des gens qui, malheureusement, sont encore avec vous aujourd'hui. Ce sont eux qui ont sacrifié ce pays. Il faut donc aujourd'hui repenser le pays. Repenser le système de pensée, le système de croyance de notre République. Repenser cela. Et pour y arriver, Monsieur le Président de la République, je vous propose ceci. Moi, je n'ai pas l'occasion de vous rencontrer. Sinon, j'allais vous donner toutes mes idées. Mais comme on n'a pas l'occasion de vous rencontrer et que l'intellectuel n'a que le moyen de s'exprimer, soit par le livre, soit en écrivant, soit en publiant, soit en faisant des choses qu'on est en train de faire, je le fais comme ça et je le fais poliment, tout en respectant votre rang. Monsieur le Président, je vous propose ce livre. Il est fabuleux. C'est mon livre de chevet. Je le garde toujours et je l'amène partout où je me promène. C'est mon livre. Je ne peux pas me séparer de celui-ci. Parce que moi, j'appelle ça le livre de gouvernance. Je vais vous lire un extrait que j'estimais bien et qui peut vous aider. Si donc, non, c'est le chapitre 6e, hein, le titre c'est « Des nouvelles conquêtes qu'on fait pour sa propre valeur et ses propres armes ». En tout cas, quand je lis ça, je vois Félix Tshisekedi dedans. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai comme l'impression que Machiavel s'adresse au président Fatshi. Je vais lire quand même. Il dit ceci. Si donc l'on veut parler, c'est la page 33. Si donc l'on veut parler comme il faut de cette manière,
Retenez bien, il faut examiner si ces innovateurs se soutiennent par eux-mêmes ou s'ils dépendent des autres, c'est-à-dire si dans la conduite de leurs desseins, ils sont obligés de supplier les gens ou ils sont en état de les forcer. Supplier et forcer. Ce sont les deux voies, monsieur le président. Ou vous les suppliez, ou vous les forcez. Mais voici ce que le savant dit. Il dit ceci. Dans le premier cas, ils échouent toujours et n'arrivent à rien. Mais s'ils sont assez maîtres pour commander absolument, ils ne manqueront pas de réussir. Ça veut dire, le savant pense que si vous vous mettez à supplier vos partenaires, vous risquez d'échouer. Parce que ceux qui ont fait ça avant vous ont échoué. Ça veut dire supplier les prédécesseurs, supplier ceux qui sont venus avant eux, qui n'accepteront jamais que vous puissiez réussir. Parce que ce n'est pas dans leur tête. Fati réussit, les autres seront en train de pleurer. Voilà pourquoi quand vous commettez des petites erreurs, voilà pourquoi ils sont contents. Vous le voyez, n'est-ce pas? Si on a eu de peste à Salimore Remouke, on ne peut pas le gangak. Si on est en coalition, on ne se glorifie pas sur Mtakoui. On ne se glorifie pas de l'erreur de l'autre si on est en coalition. Mais parce qu'on n'est pas en coalition en réalité, on est dans une cohabitation voilée. Alors, voilà, il se glorifie de ce, quand vous échouez ou quand vous dites quelque chose de n'est pas bien. Il n'arrête pas. Hein, il ne se donne pas le temps de reculer pour vous abattre. Vous avez vu les remontrances de la présidente de l'Assemblée nationale, celui du Sénat. Ça dit, c'est la roue canelo kamouké. Sauf celle qui est remouké, pam, va frapper. C'est pour dire que vous n'allez pas être en mesure de les supplier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui le disent. Nous poursuivons. Alors, c'est pour cela, et là j'aime bien, c'est pour cela que les prophètes qui ont parlé, les armes à la main, ont toujours été heureux. Ceux au contraire qui n'ont pas eu pour arme que la parole et la persuasion ont eu rarement du succès. Monsieur le Président, vous ne réussirez pas à sauver ce pays, n'a pas parole, n'a pas discours. Non. Vous devez avoir l'arme dans la main, comme les prophètes l'ont eu. Vous priez beaucoup. David n'était pas si clément que ça. Non, du tout. David tuait quand il fallait garder son royaume. Il tuait. Salomon tuait aussi quand il fallait garder son royaume. Il n'y a pas de royaume sans le sang. Il n'y a pas. Mais le problème, c'est le sang de criminels, pas le sang de justes. Un royaume s'écroule quand le sang de justes tombe. Le royaume de David était menacé. La maison de David était menacée parce qu'il avait fait couler le sang d'un innocent en prenant sa femme. Son royaume était dérangé. Mais David se battait contre les oppresseurs, son royaume prenait de l'ascenseur. Ça veut dire, le sang des criminels, c'est de carburant pour un régime qui veut se construire. Je suis peut-être dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Généralement, ça se passe. Ouais. Mais pas les sang des justes. Ce qui a détruit l'ancien régime, c'était la plupart des cas les sang des justes. Les gens ont tellement pleuré, les gens ont tellement crié, ce régime ne pouvait pas tenir. Ce qui a fait échouer Mobutu, c'était aussi le sang des innocents. Oui, ça fait échouer Mobutu. Et vous, monsieur le président, vous avez l'occasion de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous conseiller en vous donnant des livres pour vous réconforter. Le sang des criminels, c'est du carburant pour un régime qui veut s'installer. Mais le sang des justes, eh bien, c'est l'opprobre. Ceux au contraire qui ont pour arme que la parole et la persuasion ont eu rarement du succès. Car, outre tout ce que nous avons dit, rien n'est si changeant que les peuples. Ah oui, rien n'est si changeant que les peuples. Peuple congolais, oyo zomona, monsieur le président, ada peuple moko somo. Peuple oyo, otie classe au félé, mais peuple wana, tangou babengani bango na campus. Peuple on a sengi Kabila Zong. Peuple Oyo, au Kotisip Visa et comme on a Kinshasa Awa, mais ce même peuple-là, quand Monique Makamero, qui n'est pas moi bien, a Belichi Narambo Zong. C'est le peuple, malheureusement. C'est ça le peuple. Il n'y a pas. Donc la constance du peuple, et alors, par rapport à la satisfaction, naïe. Mais voici ce que le savant dit, on va terminer par là. Il dit quelque chose de fondamental. Il dit encore. Car, comme je dis, hein, outre tout ce que nous avons dit, rien n'est si changeant que le peuple. Bon, voici ce qu'il dit encore. Il est aisé de les persuader, mais il est très difficile de les maintenir dans cette persuasion. Il faut donc disposer des affaires de manière que,
lorsqu'ils commenceront à devenir incrédules ou soit en état de les ramener par la force à leur première croyance. Voilà. Il faut donc disposer les affaires de manière que lorsqu'ils commenceront à devenir incrédules ou en état de les ramener à la force à leur première croyance. Si vous voulez que je termine, Moïse, il parle de Moïse, Cyrus, Thésée et Romulus n'auraient pas fait observer leur loi fort longtemps si ils eussent été désarmés. Bon, ça, ce n'est pas vraiment grand-chose. C'est tout. Mais il me reste encore quelques secondes. Voici là où Montesquieu nous demande, Machiavel veut qu'on retienne. Toujours dans la page 33, à ces grands exemples, j'en ajouterai un des moindres conséquences, mais qui ne laisse pas d'y avoir du rapport. C'est Hiéron. Hiéron de Syracuse que je veux parler. Cet homme n'étant qu'un petit particulier, je voudrais qu'on insiste, un petit particulier des 20 tyrans de Syracuse, n'ayant reçu d'autres faveurs de la fortune que l'occasion. Car les habitants de cette puissante ville se trouvant dans l'oppression, monsieur le président, dans l'oppression, élurent Hiéron pour leur capitaine. Je ne sais pas si vous comprenez la prophétie. Hein? Pour leur capitaine, il s'acquitta si bien de cet emploi qu'il en mérita la souveraine puissance. Alors, même s'il n'était que particulier, il était rempli de tant de mérite que ceux qui en écrivent assurent qu'il ne lui manquait que la couronne pour être un véritable roi. Voici la conduite qu'il tint pour régner. 1. Il congédia les anciennes troupes et en fit des nouvelles. Il quitta ceux qui, dès le commencement, s'étaient fait des amis. Vous comprenez? Dès le commencement, c'était fait des amis. Ça, je parle à mon auditoire, hein, parce que je ne vais pas dire au président, on comprend. Non, ça, je parle au président, mais plutôt à l'auditoire. C'était fait des amis. Et il en choisit lui-même de nouveau. Et quand il eut des soldats et des amis entièrement à lui, alors il fut en état d'édifier sur un aussi bon fondement tout ce qu'il voulut. Il est vrai qu'il eut beaucoup de peine à s'élever, mais il n'en a eu point à se maintenir. Monsieur le Président, veuillez lire ce livre. Il est fabuleux. Il est révélateur. Page 33, 6e chapitre. Lisez-le. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. Mbote na biso nyoso. Likama ekole limboka na biso ezali otokana kiti. On s'était pas préparé à cette calamité. Cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie abattue. Confinement, ils ont concerné Bango Penza Mingite parce qu'ils ont représenté l'Iwa pour Bango. Tango biso tozali na moi eloko. Bande comme sous ban na ngote. Bana yetike basho bakufela mibali na ba paka na biso otobenga ka mibange ezali ba catégorie oyo bazana makoki wana te toyoki sango ke confinement ekoya po yango ndeza salutaire na moment oyo mais est-ce que zo kanisa bana wana bakolia nini basho bakufela mibali bakosala ndenge nini bakovivre ndenge nini bana ya balabala bakovivre ndenge nini ba catégorie ya bato wana baza pe mo ebele otobosani. Nous devons montrer que nous avons une solidarité, un élan de solidarité. Voilà pourquoi tu es dans la courte vidéo. Nous avons la possibilité de recouvrir dans la bateau. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup d'élan de solidarité autosali. Et la plateforme de la Congo soutient. Nous avons soutenir Bandeko dans la difficulté.
Là, nous sommes en train de voir 10 orphelinats auto-répertoriés dans la ville de Kinshasa. Na deux hommes de vieillards. Bisso, dans ma coquille, nous sommes sortis. Voilà pourquoi nous faisons appel à Bino. Tu penses que tu peux aider les gens? Aider. Ce n'est pas la première fois tout ça les locaux. Tout ça qui na la province la province Congo, on était à l'Équateur, on était partout, vous avez vu, on était na Katanga, tout ça qui na ba Congo, bomona ki ba biloko tout ça là déjà, parce que nous estimons que il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors kotikala sceptique té kokanga muté maté, ça la geste na yo. Numéro na biso ya MPSA eza bomoni affiché na CA. Mais si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir, et que ça soit un très grand plaisir. Nous allons apporter la vivre, la gel, la savon, un peu de masque, de gants, pour nous décorer, nous allons se protéger. Mais ce qui est aux anamas coquilles, au que ça soit un plus, important. Mais tout ce qui est en attente, ce qui est aux appels à temps, au lingua accompagné biso pour que tout que nous réconforter bande de koana pour leur dire que cette saloperie il y a virus et que kabola bisoté vous allez bienvenue benga biso le numéro wana parce que dans peu de temps on va descendre sur terre tout ce qui est pas temps il y a temps où on a beau contribuer massivement et plutôt organiser descente na ba 10 orphelinats wana on a besoin de faire plus mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, ma personne physique, ma personne morale, ma député, ma ministre, ma président de la République, président de la République, Sénat, Assemblée nationale, dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Oh.